Bonjour! Attention, des rebondissements hein, sur l'affaire Depardieu. Est-ce que vous, oui, je pense que vous vous en souvenez hein, de ce reportage qui était sorti sur Depardieu, dans lequel on voyait du coup l'acteur dire des choses pas très appropriées à propos d'une fillette hein, qui faisait du cheval en Corée du Nord. Forcément, les gens sont devenus dingues, ça a fait une grosse polémique, c'est normal. Moi-même, j'ai été vachement choquée. Alors, en plus, j'en avais parlé récemment dans une de mes dernières vidéos. Il se trouve que bah, c'était pas vrai, c'est un montage. Ce qui est problématique, c'est que c'est quand même France TV hein, qui est à l'origine de ce montage, hein. C'était un complément d'enquête. Donc, ça, c'est assez, disons, effrayant, hein. Pour un média comme France Télévisions. Écoutez, on va regarder deux articles hein, que j'ai trouvés sur le sujet. Nous ferons un petit tour sur X, comme à l'habitude. On est parti. Donc, affaire Depardieu, les images accablantes hein, de compléments d'enquête n'ont jamais existé. Et vous verrez hein, qu'il y a des petites blagues hein, aussi. Voilà. Le JDD a mis la main sur les procès-verbaux des trois protagonistes hein, à l'origine du complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu, diffusé en décembre dernier. Les témoignages imprécis, versions contradictoires, l'ensemble est accablant. La preuve de la manipulation est désormais irréfutable. Donc c'était ça, hein, si vous vous souvenez bien. C'est un véritable coup de tonnerre dans le litige qui oppose Gérard Depardieu à la production de l'émission Complément d'enquête hein, sur France 2. Cette fois, c'est officiel, il n'y avait aucune caméra braquée sur Gérard Depardieu lors du tournage de la tristement célèbre scène du Haras. Cette séquence qui avait profondément choqué l'opinion publique hein, montrait l'acteur, du coup, tenant des propos obscènes, hein, semblant viser une petite fille alors qu'elle montait à cheval. Il disait « Si jamais il galope, elle jouit, c'est bien ma fifi, continue. » Tu vois, elle se gratte là. Pouvait-on entendre de sa bouche au moment où l'enfant apparaissait à l'écran, hein, déambulant sur un poney? Ouais, c'était absolument immonde. Hein. Dès le lendemain, Yann Moix, à l'origine du tournage réalisé en 2018 en Corée du Nord, est présent lors des faits, dénonçait un découpage final frauduleux. Dans la foulée, dans une tribune publiée dans nos colonnes au nom de la famille de l'acteur, Julie Depardieu évoquait un montage composé de plans de coupe nécessairement suspects. En privé, Gérard Depardieu lui-même ne cachait pas son désarroi, estimant être la cible d'une machination destinée à l'accabler. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'était même publiquement interrogé hein, sur la véracité du montage. Lors de son passage dans l'émission C'est à vous. Je me méfie du contexte, a-t-il dit. J'ai entendu qu'il y avait des mots qui étaient en décalage avec les images. Bon, on n'a pas la suite. Oh, c'était compliqué hein, de trouver des articles là comme ça qui sont pas coupés, qui sont pas payants, tout ça. Parce que le problème, c'est pas de payer, mais c'est que du coup, je peux pas vous le montrer. Donc bon. Affaire Depardieu, les images de compléments d'enquête manipulées par la production de l'émission. Témoignage accablant. Donc, retournement de situation dans l'affaire qui oppose Gérard Depardieu à la production de compléments d'enquête. D'après les informations obtenues par le journal du dimanche, les images diffusées dans l'émission auraient été manipulées. C'est ce qu'on vient de voir. Ce sont des images qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux hein, et ont précipité la chute hein, de l'un des plus grands acteurs français de sa génération. Alors. Je ne sais pas s'il avait besoin de ça. Bon, en tout cas, quand je parle de Gérard Depardieu, c'est rare hein, que je parle de lui, mais à chaque fois les gens me disent oh, lui, je l'aime pas. Vous savez, c'est le beauf alcoolique là. C'est vrai que, bon, de mon point de vue, même avant ça, il n'était pas très apprécié. De mon point de vue, après, voilà. Dans un numéro de complément d'enquête consacré à sa personne, Gérard Depardieu apparaît lors d'un voyage en Corée du Nord alors qu'il se trouve dans un haras. Sur les images, on peut voir et entendre l'acteur tenir des propos particulièrement choquants à l'égard des femmes et même d'une fillette. Hein. Séquence qui a terriblement choqué l'opinion publique. Bon, après, c'est un gros beauf, Depardieu. S'il avait dit ça d'une femme, bon, voilà, les féministes auraient été oui, gna gna gna, parce qu'elles aussi, hein, elles choisissent leur combat. Mais c'est vrai que là, c'est le fait qu'on voit une fille. Hein, une jeune fille sur les images. Face au scandale, Gérard Depardieu a choisi l'exil, hein, loin de la France, pendant quelque temps. Mais les affaires se sont empilées et l'homme de 75 ans est accusé aujourd'hui par plusieurs femmes hein, différentes d'agressions textuelles et de viol. Dans l'affaire défaut rush de complément d'enquête, l'acteur n'a pas mis longtemps avant d'assigner France Télévisions, mais également la société Hikari, détentrice des images. Après une première victoire qui a obligé la boîte de production à fournir les bandes alors qu'elle se pensait protégée par le secret des sources, le journal du dimanche fait de nouvelles révélations ce mercredi 16 octobre dans cette affaire. Aucune caméra braquée sur Gérard Depardieu.
Gérard Depardieu, dont la fille Julie Depardieu a évoqué la mauvaise hygiène de vie récemment, a toujours clamé que les images de compléments d'enquête faisaient l'objet d'un montage illicite en sa défaveur. D'après les informations du JDD, lors du tournage de la scène dans le Haras, il n'y avait aucune caméra braquée sur l'ancien compagnon de Carole Bouquet. Bon, pourquoi préciser ça? Et l'aveu viendrait du monteur lui-même, hein, Emmanuel Barr, qui a témoigné sous serment le 12 janvier dernier lors de son audition par un lieutenant de police. Pour nos confrères, cela signifie donc que les fameux rushs au cœur de toute la controverse n'existent tout simplement pas. Du moins, pas ceux qui auraient pu confirmer ou infirmer la version défendue avec insistance par France Télévisions, précise le journaliste du JDD. Un nouvel élément qui pourrait s'avérer décisif dans cette affaire qui a fait grand bruit pour l'heure. Ni Gérard Depardieu, ni France Télévisions ou la société Hikali ne se sont prononcés publiquement. Bon, alors, la petite blagounette du jour, c'est ça. Enlève-toi. Non, tais-toi, voilà. Le producteur a affirmé lors de son audition à la police que les rushs avaient disparu et personne ne sait dire où ils sont. Au beignon. Oh bah ça, oh, c'est ballot, hein. De gros ennuis judiciaires, hein, du coup, à venir pour France TV, selon l'avocat de Gérard Depardieu. Hein. Oh bon, on ne sait pas où c'est passé, on ne sait pas où sont les rushs, hein. Ça a disparu, personne ne sait. Qu'une idée. Ouais. Qui sera payé par l'augmentation de budget que Dati vient de décider, comme les bandes vidéo du Stade de France, Darmanin. Oui, donc elles n'ont jamais existé, quoi, crétins de sionistes, quoi. Pourquoi tous ceux qui ont une affaire de gnôle ou d'agression textuelle sont défendus par l'extrême droite et leurs médias? Quoi? Disparu ne veut pas dire n'ont pas existé, sombre crétin décérébré. Ok, truc en anglais. Et par ici, pourquoi les fachos défendent les accusés de gnôle blanc? Bref, donc des nouvelles de Tristan Valex. Donc ce Tristan, c'est le mec qui fait les interviews pour complément d'enquête. Intervieweur en fauteuil rouge pour complément d'enquête, pas là pour donner mon avis, juste des faits sur nos enquêtes. Ouais, ça se voit. Du coup, j'ai un peu regardé son profil, alors il parle juste de Kinder et c'est tout, il s'est pas exprimé sur le sujet. Bon, alors, je suis allée voir quand même, hein. Là, il parle de Ferrero, tout ça, son usine Kinder, tout ça, moi ça me donne juste envie de manger, mais soit. Et dans les commentaires, forcément, tac, plus vous mangez d'aliments industriels, plus vous vous exposez à ce type de contamination. Sinon, le reportage sur Depardieu, là, vous en dites quoi? Où sont les rushs du complément d'enquête sur Depardieu? Vous pensez les montrer un jour à la justice ou ils sont déjà détruits? Aïe, aïe, aïe. Et attendez, ici aussi, et rien sur Depardieu ou ça panique, sors-les, sinon tu vas être cuitos, bande d'enflure, Tristan, t'es où, espèce de vieux bouffon? Oui, oui, oui. J'espère que vous allez prendre cher. On va pas regarder une émission de falsificateur. Tes fausses enquêtes sont dignes des procès truqués de Moscou. On attend tes excuses à Gérard, grosse merde. C'est une tentative de diversion parce que le sujet du jour est plutôt l'affaire Depardieu en ce qui vous concerne. Bah alors, on n'a toujours pas répondu à votre polémique de fake news sur Depardieu. Étonnant, non? Bon, voilà, il s'en prend un peu plein la tronche. Ce qui est normal, parce que, bon, voilà. Quand même France 2 qui va manipuler des images pour faire dire des choses, c'est vraiment effrayant, je trouve. Voilà, parce que c'est une chaîne publique et c'est incroyable qu'ils se permettent ce genre de choses, hein. J'imagine qu'on est d'accord. Peu importe que ce soit Depardieu ou peu importe, ils n'ont pas à faire ça. Hein, on est d'accord. Enfin, personne n'a à faire ça de base, mais en tant que chaîne du service public, c'est incroyable qu'ils se permettent de faire ce genre de choses. Et évidemment, on est en droit de se poser la question de, enfin, qu'est-ce qu'il en est des autres compléments d'enquête? Est-ce que ça a aussi été biaisé? Sauf que cette fois, personne ne s'est penché sur le cas, donc on l'a pas vu, ou ce genre de choses. On peut plus leur faire confiance. Vraiment, il n'y a plus aucune confiance en eux. Bon, déjà, est-ce qu'il y en avait une? Parce que bon, la télé, voilà, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté parce que. Est-ce que ça a plu? Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de compléments d'enquête? Est-ce que vous aimez bien les émissions? Parce que je sais que ça, c'est des choses, les gens sont plutôt friands de ce genre d'émissions. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, surtout? Donc, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!